Bonjour, je vous présente le Boomboat White Shark de Lucien. Quand vous voyez la taille de sa main, ou la mienne, vous avez tout de suite une idée de l'échelle de ce bateau qui ne doit pas dépasser les 20 cm. C'est un pousseur de bois canadien. Alors, est-ce que tu veux bien m'en montrer l'intérieur? Alors, où est le moteur? Alors là, c'est impressionnant, je vois rien. Je vois les 4 micro-piles, un micro... Ah oui, c'est vraiment tout petit. Hein. Il vient d'où ce moteur? Ah, c'est acheté sur Internet. D'accord, c'est un moteur qu'on peut trouver sur Internet, oui, oui. Un petit moteur à charbon. Oui. Il est même lesté ce petit bateau. Oui, obligé. Combien de temps pour le construire? Si on met, faut compter à peu près, avec la peinture et tout, faut compter 15 jours. Ah ouais, c'est sympa. C'est sur plan ou comment c'est? Ou non. C'est inventé? Non, c'est trouvé sur une photo. Directement sur la photo, ouais. Putain, c'est génial. Allez, on le met à l'eau. On l'a mis à l'échelle. Ah, il est génial. Il est vraiment génial. Donc, vous allez voir maintenant. Alors, il faut vraiment que je zoome pour trouver ce bateau, sinon je le perds. Non, il est magnifique. Alors, je te laisse le mettre à l'eau. Je le laisse au soleil. C'est moi qui fais l'ombre. Pardon, excusez-moi, les amis. Et vous allez voir la maniabilité de ce petit bébé. Un boomboat. Oh là. Hop là. C'est vrai que pour courir après les billes de bois dans l'eau. Surtout qu'il était pas loin. Ben oui. Formidable. Formidable. Alors un petit peu en ligne droite pour voir. Formidable. Vous voyez la maniabilité. Est-ce que tu fais de la marche arrière aussi? Ou est-ce que la marche arrière est moins... Oui, c'est comme tous les bateaux, il est un peu moins à l'aise, quoi. Enfin bon, en tout cas, il peut reculer, il peut avancer. C'est un truc des années 90, là, il lui en a porté beaucoup. Eh ben, il est magnifique. Merci, ami. J'espère que ça donnera des idées, de nouvelles idées. À nos amis modélistes. Ouais, c'est sympa, ouais. Au revoir les amis.